bienvenue sur ma chaîne Ma Cuisine Italienne. Eh oui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une belle crème pâtissière avec des produits typiquement italiens. Pourquoi ? Parce que ce week-end, je suis allé en Italie à la frontière et j'ai acheté tous mes produits. Donc, je vous montre les ingrédients qu'il vous faut pour la recette. Pour réaliser la crème pâtissière, on va prendre du lait entier. Vous voyez, c'est du parmalat. C'est du lait qui vient d'Italie directement. Les œufs, j'ai marqué Italia parce que ça vient de là-bas aussi. J'ai acheté ça là-bas. Ensuite, c'est du fructose pur, c'est-à-dire que c'est supérieur au sucre normal. Pour 20 g de sucre normal, vous mettez 10 g de fructose. Ça, c'est pareil, ça vient d'Italie. Un petit peu de beurre, vous voyez, il est même jaune. De l'extrait de vanille et de l'amidon de riz. Alors moi je vais utiliser ce produit car vous pouvez remplacer par de la farine, mais la farine est un produit très lourd pour la crème pâtissière, ou alors la maïzena. Mais la maïzena, c'est de la fécule qui est légèrement amertume, alors que l'amidon de riz, lui, est un produit neutre et beaucoup plus léger. C'est parti pour la vidéo. Dans la casserole, je vais verser le lait. On va rajouter un petit peu de vanille. Je vais mettre à chauffer tout doucement. Dans le récipient, je vais incorporer les jaunes. Je vais mettre le fructose. Je rajoute de l'extrait de vanille. Je vais remuer tout doucement. On va blanchir légèrement les œufs. Et je vais rajouter l'amidon de riz. On mélange tout doucement. Regardez, on dirait du sucre glace. Je vais rajouter mon lait que j'ai fait chauffer légèrement. Si vous voulez la parfumer davantage, il suffit simplement de rajouter du zeste de citron. Je vais tout remettre dans la casserole. Et je vais porter à ébullition pour faire cuire ma crème pâtissière. On remue sans cesse. La crème commence à épaissir. On arrête. On a une belle crème brillante. Allez, comme elle est brillante. Alors,
On rajoute le beurre très froid. Je prends un autre récipient que j'ai mis au frigo pour refroidir ma crème très rapidement. On va en mettre un deuxième. Je vais la laisser complètement refroidir. Voilà, la crème pâtissière a refroidi. Par contre, j'en ai fait une deuxième. Alors, celle-ci a été réalisée avec de la maïzena et celle-ci avec de l'amidon de riz. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors, regardez la texture de la crème et regardez celle-ci. Elle est quand même plus dense. Je vais goûter la première. Avec la maïzena. Bien sûr, elle est bonne, mais on sent cette petite amertume. Je vais goûter l'autre. C'est incroyable la différence de texture. Elle est super bonne, elle est très légère et on ne sent pas du tout l'amertume. Bien sûr, la recette que j'ai fait là, ce sont que des produits italiens que je vous ai montrés au départ. Maintenant, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de faire passer le message à tous vos amis, de laisser un petit commentaire, de mettre un like et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Au revoir, à la prochaine recette !